Bonsoir. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Alors c'est l'occasion qui fait de larron, une présentation avant le film. Promis juré, on va essayer de ne pas parler de ce que vous allez découvrir après. Pas dévoiler le... Rien. Les intrigues et le suspense. Ah, je sais. Ben vous savez. À la fin dans la bibliothèque avec le couteau. Mais maintenant, Vincent, que je vous vois de près, ce profil-là, c'est vrai. Un coup de pioche, c'est ça ? Non, c'est vrai que c'est flagrant. Vous ressemblez. C'est vrai, Antoine ne va sûrement pas me contredire. Vous ressemblez à Peter Pan. Ah bon, c'est oui. Gentil. Enfin, ceci, Peter Pan, il a 12 ans. Vous auriez pu incarner Peter Pan. Tout ça pour vous dire, c'est une blague. Tout ça pour vous dire, est-ce que vous avez tous les deux vécu ce syndrome de Peter Pan au même titre qu'Adrien, si tant est qu'il ait le syndrome de Peter Pan, c'est pas sûr. Oh, je m'en rends pas compte, il faudrait demander à mes parents. Mais je crois que je reste, je sais pas, c'est un premier film, un éternel enfant, un jeune. Bah non, mais je pense que c'est un premier film, du coup c'est un peu une histoire de passage à l'âge adulte pour moi aussi. Je me suis dévêti des vêtements de Peter Pan. Non, je sais pas, Vince, réponds, je me suis complètement foiré sur la réponse sur Peter Pan. Non, j'aurais pu répondre à un truc un peu mieux. C'était un compliment, Vincent, Peter Pan. Bien sûr, mais oui, c'est l'enfant éternel, quoi. Pour jouer, on espère tous en garder une partie et en même temps se détacher de l'autre, quoi. C'est le principe. Moi, après, bon, oui et non, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé à travailler assez jeune, donc assez vite, j'ai pas fait d'études et tout ça, donc j'ai été dans le monde du travail assez rapidement, quoi. Mais le monde du travail étant un métier extrêmement agréable, c'est-à-dire être acteur, donc qui me permet d'être Peter Panesque un peu toute ma vie, quoi. C'est pas votre premier film ensemble, puisque Mes jours de gloire, c'est d'abord un court-métrage, enfin, on peut en parler. Oui, bien sûr. Enfin, c'est d'abord un court-métrage, le court-métrage il est assez différent, c'est de l'enfance d'un chef, mais il y a des éléments qui ressemblent. Et pareil, je vais dévoiler toute l'histoire si je commence à... Non, on dit rien, c'est en 2016, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Vous êtes donc déjà ensemble, réunis. Pour l'enfance d'un chef, on ne dit pas qui. J'adore parce que c'est le mec qui raconte que c'est un film en 1,85 minutes pour rien dévoiler, qui fait que les aspects techniques nous ont dû tourner pendant 4 jours. Non, mais c'est ce qui vous a donné envie, Antoine, de retrouver votre personnage d'Adrien. Ah oui, complètement. Après, le film est assez différent du court-métrage, en fait, je pense, mais il y a une inspiration commune parce qu'il y a Vincent qui est dans le rôle principal et qu'il y a un élément de l'histoire qui ressemble, mais au fond, c'était pas. Les mêmes histoires, et puis si à l'époque du court-métrage, je me dis que j'aurais l'occasion d'être ici, par exemple, ce soir, à présenter un long-métrage, j'y aurais peut-être pas cru. C'était donc le point de départ. Et Vincent, vous avez donc commencé très jeune, 14 ans, Les Beaux Gosses, un titre qui vous voit comme un grand. Et est-ce que vous avez... ironique. Pas du tout. Pas du tout. Mais non, si vous vous souvenez de la fille, j'ai clairement... c'est gentil que vous... Ouais, sauf que maintenant, regardez l'affiche. Bah, c'est vrai, la rançon. Il y a une traite pour chaque personne, donc chacun peut choisir ce qu'il aime bien. Donc Antoine écrit pour vous. Bah non, mais ça m'a fait très plaisir. Non, en fait, on se connaît depuis des années, mais pas par le biais du cinéma, quoi. Et en effet, on a fait un court-métrage qui était l'enfance d'un chef, qui l'histoire était assez différente, mais reprenait un peu ce personnage-là. De du film que vous allez voir. C'est assez abstrait pour l'instant, mais vous allez voir, ça va découler lors du film. Et donc, non, mais ensuite, le court-métrage, moi, je l'ai trouvé très bien. Je ne le verrai pas ce soir, mais vous pouvez le trouver. Si, on peut le trouver. Je sais pas. Si, vous allez sur le site d'OCS, vous pouvez le trouver. Ah, c'est vrai ? Oui. Bon, voilà. Très bonne nouvelle. Si vous aimez bien le film, alors vous pouvez voir le court-métrage qu'on a fait avant. Où il y a des rapports, mais pas tout à fait. Des correspondances, des résonances. Toute une conversation extrêmement mystérieuse sur plein de trucs. Rien ne va faire aucun sens quand le film va être projeté. On va se dire, mais pourquoi ils vont tchatcher de tout ça avant? On vous cache quelque chose. Mais non, en l'occurrence, on avait vachement aimé faire ce court-métrage ensemble. Et donc, c'est arrivé assez naturellement de faire ce film-là, parce que voilà, moi, dans mon travail, je cherche toujours des réalisateurs que j'aime bien et qui ont des histoires qui intéressante à raconter,
et Antoine m'a semblé en faire partie directement. Quoi. On avait beaucoup de références communes, donc voilà. À voir le film, je ne donne pas mon avis, hein, je suis pas... Attention. À voir le film, je dirais, Antoine, presque vous avez inventé un style. Oh, ça me touche. Mais c'est pas de moi. Je vais pas faire. Je fais l'intéressant. Le mélancomique. Ah oui, non, ça correspond bien. Qui c'est qui nous a dit on ça. En a parlé aujourd'hui. C'était à TV5 Monde. On a fait une interview tout à l'heure qui était vraiment hilarante avec. Enfin, je sais pas pourquoi je. C'est un peu en sauvé marrant aussi. Allez-y, Vincent, racontez-nous. Non, il serait un peu spécial, c'est juste qu'il y avait un monsieur extrêmement sympathique. Et qui nous a sorti ce terme de mélancolique qui, je veux dire, arrive. Ça fait parce qu'on a fait quelques tournées, tout ça, on est allé dans quelques dates, et dans quelques tournées de province, on a fait quelques premières. Et on a compris province. Ne vous dites pas le parisien. On a fait quelques villes et. Et ce matin, on nous a donc trouvé un nouveau terme pour ce film, mélancomique. Voilà, donc. C'est pas la chute, mais en plus, ouais, c'est de la mélancolie, et moi je dirais pas du comique, mais voilà, de l'humour, mais c'est une comédie dramatique, quoi. Enfin, c'est, je me dis que c'est mélancomique, après ça sonne plutôt bien. C'est mieux que le. Non, je sais plus, on avait sorti un autre terme l'autre jour. Adolescent. Ouais, adolescent. Mais je préfère mélancomique, je trouve ça chouette. Je trouve que ça marche bien avec le ton du film, et puis c'est vrai que le film, c'est à la fois une comédie et après, je dis ça, ça se trouve, personne ne va rigoler pendant tout le film. Et c'est un énorme drame. Si vous voyez, c'est vraiment extrêmement spécial et bizarre. Mais c'est vrai que le film, il a dit les deux, et que, voilà, après, je pense que c'est un mélange de ces deux ambiances. De drame et de comédie. Enfin, sans, c'est pas un drame non plus, attention. C'est l'errance d'un jeune homme. C'est l'errance d'un jeune de manière mélancomique. Ouais. Vincent, Antoine, dites-vous que vous êtes d'un naturel confondant. Confondant. Ah ben, écoutez, merci Antoine. Le personnage vous va comme un gant, mais est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est beaucoup inspiré de vous? Ah non, c'est pas moi. Vous allez voir un personnage très névrosé, donc... J'ai la chance de l'être un peu moins quand même, même si bon, chacun a ses problèmes. Hein, mais non, c'est une histoire vraie. D'après une histoire vraie. Ce film est préféré de ma vie. Non. Mais en même temps, je pense que ce film. Enfin, vous avez pas à le découvrir. Mais moi, je trouve que ce film aborde beaucoup de sujets d'aujourd'hui, et desquels, ou en tout cas, aborde un nombre d'angoisses assez conséquent que des gens peuvent avoir. Et l'angoisse du... L'angoisse est partout, de toute façon, personne, vous allez voir, c'est pour ça que je dis ça, c'est assez générique. Hein. Et donc, vous avez la chance de ne pas connaître l'angoisse du désir des autres, puisque depuis 14 ans, vous travaillez sans arrêt, avec bonheur et succès. Est-ce que vous pensez qu'un comédien, quand il peut avoir des désirs quand il n'est pas désiré? J'espère quand même. Parce que sinon, vous avez 3 heures. Adrien Palatine, il est à l'arrêt. Ah, clairement, oui, il n'a pas beaucoup d'offres de films, ça c'est sûr. Non, mais quand on est acteur, en effet, on est dépendant du désir des autres. Mais après, bon, je ne vais pas dire que moi, ça pourrait s'arrêter tout aussi bien. Dans 5 ans, pareil, vous ne me verrez plus. Hein, je ne serai plus là. Non, il n'y a aucune raison. Non, je sais, madame. C'est la dernière avant de faire. Peut-être, on ne sait pas. De disparaître de la circulation, être extrêmement ringard. Et c'est bon, c'est ce à quoi on s'expose aussi quand on est acteur. Quoi. C'est-à-dire, quand ça marche à un moment donné, ça peut forcément moins marcher à un autre moment. Quoi. C'est la vie d'acteur. Mais vous n'êtes pas dans ce registre-là. Vous n'y pensez pas. Vous n'y pensez pas. Si. Oh, de temps en temps, je me dis, bon, et si tout d'un coup toute la suite de ma vie n'était qu'une longue et lente chute. mais on a le droit d'être un peu pessimiste de temps en temps. Nous avons commencé avec la sortie du film. Mesdames, messieurs, nous étions en train de pitcher le film. Vous comprendrez dès que vous l'aurez vu et dès que nous nous retrouverons juste après avec le réalisateur du film, avec qui nous partagerons toutes vos questions et toutes vos émotions. Applaudissements pour les deux, Antoine.
et applaudissements, un remerciement pour Vincent Lacoste. Merci beaucoup. Je suis ravi de Manteau, mais je suis extrêmement heureux de vous avoir vu et d'avoir partagé ces quelques mots avec vous, même si j'ai bien conscience d'avoir plus parlé que vous, mais enfin, la prochaine fois, ce sera différent. Mesdames, Messieurs, bonne soirée, bon film. On se retrouve à prochainement. Je voulais savoir si vous aviez écrit le rôle pour Vincent Lacoste ou est-ce que le choix d'acteur est venu après. Question un peu banale. Ça devait être Omar Sy à la base, mais finalement il n'était pas dispo. Non, ouais, ça a toujours été Vincent. Bah, après, ça a toujours été. C'est toujours compliqué quand finalement on écrit pour un comédien parce qu'on a beau se connaître et être assez proche, t'as toujours la peur de décevoir tes amis. Puis, t'as un ami avec Vincent, s'il a dit non au film, ça serait vraiment terrible à plein de niveaux, qu'on le veuille ou non. Et j'ai eu de la chance qu'ils disent oui. Et du coup, effectivement, c'est écrit. En fait, on avait fait le court-métrage avant, 2 ans avant, qui s'était super bien passé. Donc, en fait, c'était un peu dans une continuité de se dire qu'on avait envie de travailler ensemble à nouveau et que c'était l'occasion. Et puis, c'est vrai que je pense pas qu'il y a beaucoup de comédiens qui auraient pu faire ce que fait Vincent, parce qu'il a, à mon sens, attention, parce que ça peut faire comme si j'avais des grands discours sur mon film, j'ai absolument pas de recul, j'ai le nez totalement collé à la vitre. Mais je trouve qu'il a cette propension à ne jamais tomber dans le pathos et à jamais être à avoir cette espèce de pudeur et de subtilité, en fait, de ne jamais aggraver les situations. Et d'un coup, pour un passage qui s'en prend plein la gueule pendant 1h30, si ça avait été quelqu'un d'autre que Vincent Lacoste, je sais pas si ça aurait marché de la même manière. Vincent, il a cette espèce de flegme et cette nonchalance qu'il arrive à mettre à distance naturellement avec légèreté et humour des choses graves, et que petit à petit, c'était ça, moi, que j'aimais aussi dans le film. C'est de partir de cette espèce d'idée qu'on a de Vincent Lacoste, qui est l'éternel ado, qui est l'ado mal réveillé. Et c'est un peu ce par quoi on démarre avec la scène des pompiers, pour finalement faire chuter ce personnage-là et cette image qu'on a de lui, et qu'à la fin, ils finissent démunis, mais plus grands, peut-être. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour le film. J'ai deux questions. Est-ce qu'on peut connaître le budget d'un film français et de ce film, en gros? Et la deuxième, c'est, pour un film de cette longueur, combien vous avez d'heures de rush? Voilà. C'est technique. Réponse, alors le budget, 200 millions à peu près. Non, je plaisante. pour être ta fenêtre, et c'est assez honteux, hein, je ne connais même pas le budget du film. J'ai été extrêmement préservé de ça, et je sais que c'est un film qui a coûté... aux alentours, voire même un peu moins que 2 millions d'euros, je crois. Et j'ai dit sûrement des bêtises, en fait. Et je suis très mauvais avec les chiffres. J'ai fait L. Donc, j'ai jamais rien compris. Et c'est vrai que moi, je me suis plus posé la question de comment on pouvait faire le film bien. Et finalement, on l'a fait dans un budget qui était parfait pour ce qu'on avait à faire. Mais après, il y a plein de typologies de budget. Mais c'était un film où tout le monde a fait des efforts financiers pour le faire. Et du coup, c'était formidable pour moi. En tout cas, peut-être pas pour les autres qui étaient moins payés, du coup. Mais, et ensuite, les heures de rush, bah, moi, c'était un drame, parce qu'en fait, on a tourné tout le film, c'est tout le mythe sur le numérique, c'est-à-dire tu fais du numérique, tu peux tourner autant que tu veux, c'est l'avantage, par rapport à la pellicule et tout. Et moi, en fait, le problème, c'est qu'on tournait à l'épaule, et qu'on tournait principalement en lumière naturelle, du coup, on avait un mode de tournage et de fabrication qui était assez chouette, parce qu'il était très léger, du coup, on pouvait tourner presque tout le temps. Et c'est vrai que souvent sur les tournages, tu te retrouves à devoir attendre 1h30 pour passer d'un plan à l'autre. Et ça se justifie, hein, souvent, hein. Je l'entends tellement. Et c'est vrai que nous, on était partis du principe que, voilà, les acteurs restaient tout le temps sur le plateau, ils n'avaient pas de loge, ils n'avaient pas de temps pour faire quoi que ce soit. Et du coup, on tournait vraiment presque en plus tendu toute la journée. Résultat, on faisait pas mal d'impro pendant les scènes, on faisait tourner. Résultat, on a rajouté des scènes qu'on a inventées sur le plateau, on s'est vraiment amusé, il y a quelque chose d'hyper ludique. Mais ce qui fait qu'au bout de 3 semaines de tournage, j'ai le producteur qui est venu me voir en disant « Le budget disque dur est en train d'exploser, tu fais beaucoup trop de rush, c'est pas possible, il va falloir que tu te calmes. » On est en train d'exploser les compteurs, j'ai dû réduire un petit peu, le chef opérateur avait mis des cartes que de 10 minutes dans la caméra, donc quand il avait une prise, ne pouvait pas dépasser 10 minutes. J'ai découvert après qu'il y avait des cartes de 45 minutes que j'aurais utilisées avec grand plaisir, mais pas eu l'occasion, on m'a empêché. Mais je pense que, honnêtement, je sais pas du tout, mais il y a dû y avoir une... Voilà, je crois qu'on a passé la centaine d'heures de rush. Hein.
Il y a 8 films possibles. Hein, là, je vous montre qu'une partie. La version longue, c'est pour le DVD. Bon, ça. En termes d'image, ouais, il y a une jolie teinte bon, par rapport à la diversité des prises de vue, que ce soit la nuit, etc., etc., ou dans la journée et autres. Et d'autre part, j'en posais une question, parce que je trouvais qu'il y avait une similitude dans le jeu de Vincent, et c'est vrai qu'il y a des, j'allais dire, même en termes de phrasé, en termes d'attitude, il y a des petites touches du jeu de Jean du Jardin, c'est le sentiment que j'ai eu au niveau des mimiques, au niveau des yeux, de la bouche, et même dans le débit, hein, dans la manière de s'exprimer, je trouvais qu'il y avait une grande similitude. Après, voilà, c'est juste une petite constatation, mais sinon. C'est joyeux, je transmettrai, je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Non, moi je m'en rends pas compte, c'est vrai que je m'en rends plus compte de toute façon de Vincent, parce que là pour le coup j'ai passé des mois en montage avec sa tête dans une salle obscure, tous les jours, à manger du Vincent. J'ai l'impression que c'est vraiment Vincent Lacoste à chaque fois. Et du coup j'ai du mal à voir les ressemblances. Mais je dirais, mais c'est drôle, Jean Dujardin. Moi j'adore Jean Dujardin personnellement, du coup je trouve ça chouette. Je le prends bien. Je sais que c'était pas. Ouais. Antoine, inspiré de faits réels ou pas? Non, c'est pas autobiographique. Non, c'est pas une histoire vraie. C'est pas. Après, je pense que c'est un premier film. Il y a forcément des choses qui m'ont échappé sans que je m'en rende compte. Et puis moi, je trouve que c'est ça qui est chouette aussi, c'est que finalement, aussi nombreux qu'on soit dans cette salle, on aurait une scène où ce serait un comédien qui rentre et qui vient présenter un film, par exemple, soyons originaux. Autant qu'on est dans cette pièce, on ferait ça de manière tous différente, de par notre éducation, de par ce qu'on est, de par nos goûts, de par plein de choses. Et du coup, moi, c'est ça que je trouve formidable, c'est plein de choses qui nous échappent. Pourquoi un tel cadrerait comme ci, un autre cadrerait comme ça? Pourquoi un tel choisirait tel costume? Et ça, le son, c'est plein d'intentions et c'est plein de choses qui nous racontent d'une manière ou d'une autre, en fait. Moi, il n'y a rien, parce que j'aurais été tout à fait effrayé de raconter des histoires vraies dans le film, enfin, ou des histoires qui me sont arrivées à moi. C'est beaucoup plus facile de se planquer dans la fiction, mais l'incarnation des personnages, plein d'éléments trahissent quelque chose de moi. J'espère qu'ils trahissent quelque chose de moi, en tout cas. Mais après, non, il y a juste la scène des pompiers, c'est vraiment arrivé à un pote, par contre. Il l'a vraiment fait, il joue dans le film, j'ai pas le droit de dire qui c'est. Et c'est pas Vincent. C'est pas Vincent, c'est non. Vincent. Mais il l'a fait, il est rentré chez lui, et il a pas eu appelé de ses oreilles. Ça a marché. Je sais pas si ça marche comme ça à Bordeaux. C'est pas bien, faut pas le faire. Non, c'est honteux. Du coup, il ressent qu'il a un faux air, hein, Vincent de Charles. Oh, non. Il y a eu un déclic quand même. J'ai toujours peur que le plan soit un peu trop furtif pour qu'on se rende compte de la ressemblance. Moi, j'avais jamais vu d'image de Gaulle jeune. On est habitué à le voir à 50 ans au moment de l'appel du 6 juin. Et c'est vrai qu'un jour, je suis tombé sur cette image de lui à 20 ans ou quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça assez frappant, la ressemblance avec Vincent. Et ça marche. Il n'était pas du tout d'accord sur le coup. Hein, c'est vrai. Ça l'a un peu vexé quand je lui ai dit ressembler à Charles de Gaulle jeune. Mais finalement, il était obligé de se laisser faire. Puis après, c'est la moustache. Bon, après, vous avez trouvé tout ce qu'il fallait pour faire penser à un dictateur et surtout à Charlie Chaplin. Ce qui ressemble à Chaplin aussi, je trouve. Pas dans la référence, c'est plutôt Hitler, a priori, dans le. Non, mais c'est bien. De ne pas avoir le doute, on s'est baladé. Là, le plan qu'on a fait dans la rue et tout, c'est vrai qu'on est assez peur. Vincent, même, il est assez peur. Il vient me voir 3 jours avant, il me dit « Attention, la scène qu'on fait, tu la joues pas, caméra réaliste, on me fout au loin, on me focale et tout. » Bon, c'était le découpage. Et du coup, c'est vrai qu'on était planqué à 500 mètres, on n'avait que 3 figurants. Et en fait, il s'est retrouvé seul à devoir avancer sur ce boulevard. On est mal repéré, on s'est rendu compte qu'en plus, on était dans le 19e, qu'il y avait une synagogue juste derrière. Et du coup, ça a ramassé, même au début du plan, on voit un rabbin passer au loin dans le plan et tout. Du coup, il était mort de honte absolue. Et en fait, ce qui est assez terrible, c'est que les gens n'ont pas trop remarqué, en fait. La tenue de Gaulle a pris le pas, c'était plus un espèce de fou bizarre, se baladant en tenue militaire, plus qu'Hitler, en fait. Et du coup, ça n'a pas fait trop de grabuge. On a rentré le plan sans rebond. Pour revenir à Charles de Gaulle, à un moment de sa vie, il a failli aussi, lui aussi. Le succès est venu
Vous avez fait des recherches, il a été prisonnier et son mariage était donc, et là je découvre un cheval intéressant, le cabotin, le mariage était arrangé, donc il aurait pu rater... Ah, il aurait pu rater sa destinée. Moi, ce que j'aimais bien avec De Gaulle, c'est qu'il a toujours l'image du héros et qu'au fond, il a quelque chose d'assez, romanesque, plus généralement pas gaulliste, qui, quand ils ont vu le film, ont fini le film en regardant, en me faisant, mais Antoine, pourquoi De Gaulle? Ils lui montraient toute leur affection pour le film, évidemment, et surtout qu'il n'a rien compris, mais bon. Et c'est vrai que De Gaulle a cette espèce de figure de héros français, un peu de père de la nation. Moi, je trouvais ça drôle d'avoir cette espèce de parallèle avec justement un mec qui n'arrive à rien à faire de ses 10 doigts, de se retrouver confronté à ça, mais surtout que De Gaulle, quand on creuse un petit peu, il avait un grand frère qui était plus brillant que lui, qui était voué à plus, et que lui, tout d'un coup, s'était motivé à 17 ans. Attention, ça fait cours d'histoire, ça fait comme si je maîtrisais extrêmement bien le sujet De Gaulle. Je connais que 5 minutes. Et finalement, 14-18, il est enfermé, il se retrouve en prison. Son maître, c'est le maréchal Pétain. Et tout à coup, il y a énormément de trucs qui font qu'il n'est pas loin de louper sa vie. Il se retrouve, ses parents essaient de lui arranger un mariage parce qu'il va absolument se marier. Il revient en France, il se retrouve à rencontrer Yvonne, qui est la fille des biscuits Vendroux. Je me suis gouré d'ailleurs dans le film, j'ai mis Ventoux. Comme le mont Ventoux, alors c'est Vendroux. Et ça sera éternellement comme une grossière erreur. Mais je trouvais qu'il avait quelque chose d'assez touchant et romantique, en fait, sous ses airs. Moi, j'ai grandi avec l'image de De Gaulle, qui est vraiment pas très glorieuse, de la guerre d'Algérie ou de mai 68, où c'était un peu un vieux crouton pas très funky. Et c'est vrai qu'il a toute cette jeunesse, tout d'un coup, il est passé pas loin de louper sa vie, et finalement, une guerre mondiale lui a permis de se placer sur la carte du monde, quoi. Et c'est beau. Bonsoir, merci pour votre film. Moi, j'ai été interpellée par la scène où on lui dit de quitter l'hôpital psychiatrique, et il est en train de lire « Mon chien stupide », dont Yvan Attal a fait un film il n'y a pas longtemps. Et pourquoi ce livre-là, justement? Merci. Merci, déjà. Et puis, à l'époque, je ne savais pas qu'il allait avoir une adaptation. D'ailleurs, j'avais un peu les boules, parce que moi, c'est un de mes livres préférés, et je me disais qu'un jour, ça se trouve, je pourrais l'adapter. On va louper. J'avais essayé de glisser un petit truc dans le film. J'ai mis trop de temps à le monter. Il y a quelqu'un qui a eu le temps de l'adapter, d'en faire et de le sortir entre temps. Je suis un peu comme un con. Et du coup, effectivement, c'est une question qui revient souvent de pourquoi j'ai mis le livre. Parce que je l'aime beaucoup et parce que je trouve que dans les personnages des livres de John Fante, il y a toujours des personnages qui sont pas à leur place et qui se voient toujours à une place autre que la leur. Et c'est le Bandine devant la poussière qui se voit comme grand auteur alors qu'il est en loose complète dans son espèce de petite chambre d'hôtel. Et c'est pareil avec Henri Molis dans Mon chien stupide, qui se voit comme un espèce de romancier romanesque ou de scénariste un petit peu cool d'Hollywood, alors que en fait il est en train de dépérir dans sa maison avec sa femme et ses enfants. Et moi, c'est ça qui m'amusait. Et puis en plus, c'était un petit clin d'œil au chien de la madré au chien de la mère dans le film, où d'un coup Mon chien stupide, c'est un espèce de pic au loin au personnage de Roger. Bonsoir. Merci pour le film. J'ai beaucoup rigolé, mais il y a aussi des moments qui m'ont beaucoup touchée, donc merci. Merci à vous. Et moi, j'ai une question par rapport à la mort du chien. Est-ce que ça a un sens particulier de la mettre à ce moment? Est-ce que c'est un peu l'idée de passer à autre chose et de voir que même s'il y a des trucs qui ne vont pas, des moments tristes, on peut se relever justement? Oui, complètement. Et puis c'est vrai que pour moi, la mort du chien, alors bizarrement, en fait, elle venait pour le film, j'avais toujours très peur d'avoir des scènes d'émotion et que ce ne soit que des scènes d'émotion et qu'il n'y ait que ça. C'est sûrement de la pudeur ou je ne sais pas, quelque chose de mal placé. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup l'idée que cette scène a priori émouvante entre la mère et son fils soit brisée par un événement inattendu qui est la mort du chien qui est toujours là en fond avec... le personnage du veto qui vient, cette espèce d'inquiétude autour du chien, mais en même temps de se dire que la mort du chien permet un nouveau départ et permet quelque chose de nouveau et que c'est un peu la victime expiatoire de toute cette histoire. Et puis c'est vrai que c'est toujours des scènes qui sont dramatiques et à la fois drôles. À la base, le film se terminait, on a tourné la scène d'hermé, on ne l'a pas gardé au montage, mais la scène se terminait par l'enterrement du chien. Dans un endroit merveilleux, que je vous invite à aller si vous passez par Paris, qui se trouve à Allières, qui est un cimetière pour chiens. Un endroit formidable en bord de Seine et qui est vraiment un endroit dédié avec des stèles de chiens, avec des mots extrêmement émouvants de Choupi, morte en 88, à toi mon ami favori. Et c'est assez beau en fait de se rendre compte du rapport passionnel et passionné que peuvent entretenir des gens avec,
avec l'ornière de compagnie. Moi, personnellement, ma mère a ça avec son chien, donc je le comprends totalement, je le vendis avec. Mais c'était pour ça. Et c'est vrai qu'en fait, finalement, le fait de terminer par... J'avais plus envie de terminer par Vincent, seul dans le lit, le personnage d'Adrien, seul dans le lit, il y a quelque chose de plus... je vais dire jouissif. Jouissif, c'est un peu... pas partir dans les jeux de mots. Mais il y a, je sais pas, je trouvais ça plus entraînant, en fait. C'est son histoire à lui, et il ne fallait pas le remettre... mais toute sa famille. C'était une grosse scène d'enterrement avec toute la famille et tout, c'était un peu trop. Et du coup, ça a un sens, c'était aussi censé boucler par rapport à ça. Maintenant, il est juste mort. C'est triste. On l'a vraiment tué, en plus. C'est le dernier chien à avoir joué avec Johnny Hallyday, attention. C'est vrai ? Ouais, Fonfon. Très bel animal de compagnie. Bonsoir, merci pour Bonsoir. Le film, déjà. Merci. Et moi, j'avais une petite question, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas trop compris ou pas. Mais je voulais savoir le rôle de... Pourquoi avoir mis une adolescente, en fait, dans le rôle de... Pour finalement, on ne sait jamais vraiment son âge, il y a toujours un petit flou. Alors... Très bonne question. Non, moi, c'est parce que... le choix de l'adolescente, c'est parce que pour moi, lui, c'est encore un adolescent dans sa tête. C'est que finalement, c'est un gamin, c'est un mec qui a 27 ans, mais qui se voit encore comme un jeune ado tout frais moulu, qui a la vie devant lui. Et je pense que... Léa, tout d'un coup, le personnage de Léa dans le film, elle représente quelque chose d'exotique. En fait, elle représente la période qui lui manque de sa vie à lui, déjà, et cette espèce d'insouciance. Et lui, voit pas mal, en fait. Il a quelque chose où, pour moi, quand il arrive au café, c'est vraiment le tonton ringard. Enfin, il a un côté tonton ringard. Et lui, voit pas du tout, en fait, ce qu'il y a de gênant à ce qu'il soit là. Et il ne voit pas le décalage. Il va à la fête déguisée avec ses deux bottes, avec ses deux bottes chelous. À une fête d'ado de 17 ans, et lui, il voit pas mal, c'est normal, en fait. Il y a ça, il y a aussi l'élément où, finalement, il la rencontre dans un commissariat, et du coup, il y a quelque chose qui est flou, en fait, sur son âge, d'où elle vient et tout, et du coup, c'est vrai qu'effectivement, pour moi, elle est en terminale, elle va passer le bac, mais c'est parce que c'est d'un coup d'être lui qui est face à ces problématiques, en fait, il est face à quelque chose où il est déjà comme en fin de parcours, il a des problématiques de gens de pas de son âge, en fait, de gens beaucoup plus âgés, et c'est comme si elle, c'était un espèce de vent de fraîcheur. Il lui envie, à mon avis, l'insouciance de penser au bac, et ensuite d'avoir le début des études, cette espèce de temps un petit peu vaporeux, qui est à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte, tout d'un coup tu te poses des questions sur la vie, mais où t'es pas pressé, où t'as le temps, où tu sais que t'as le temps. Et c'est un mec qui a l'impression de plus avoir le temps, et tout d'un coup c'est comme si Léa lui offrait un compte à... Enfin, elle lui offrait du temps en plus. Et puis en plus, elle a cette espèce de truc où tout d'un coup, le fait d'avoir quelqu'un qui est lycéenne, alors elle aurait pu être étudiante ou quoi que ce soit, hein, ça n'aurait foncièrement pas changé grand-chose, mais c'est plus que tout d'un coup, elle était... elle le prend pas du tout à travers un prisme social, professionnel. Et finalement, c'est un mec qui est profondément embarrassé dans le film, qui est profondément gêné, qui a peur d'être jugé, qui a peur d'être... Et elle est hors de tout ça, en fait. Et il y a ça, et puis il y a aussi le fait que je sais pas, moi j'ai cette espèce de sensation, le temps change entre les années lycée, enfin tout le temps de l'école. En plus, j'ai pas fait d'études après, c'est pour ça, je n'imagine jamais des personnages d'étudiants parce que ça me semble mystérieux. Mais j'ai eu le bac quand même. Et finalement, ce temps-là, en fait, où une année représente énormément. Moi j'ai des souvenirs comme ça au collège et au lycée. Un an, c'est énorme. Tu passes un step considérable quand tu passes d'une année à l'autre, si tu redoubles pas évidemment. Et tout d'un coup, c'est une logique temporelle qui est différente, en fait. Tu vois les prochaines vacances, tu vois les prochains trucs. Et lui, et en fait, quand tu passes ce temps-là, moi, je me rends compte, là, par exemple, le film, ça fait 4 ans. Je me dis, waouh, il s'est passé 4 ans. Il n'y a pas eu... c'est une étape, en fait. C'est comme si c'était mon année terminale, c'est les 4 ans du film. D'un coup, ça m'effraie, je me dis, les choses s'accélèrent profondément et c'est extrêmement vertigineux. Et pour moi, le personnage, c'est un petit peu ça. C'est que finalement, il est dans un groupe, dans un groupement de temps où ça fait 7, 8 ans qu'il n'a rien fait, qu'il est sorti du bac, qu'il est sorti de ses études, et c'est un espèce de temps mort, inexistant et sans rien, et il se retrouve confronté à quelqu'un qui, elle, chaque année, il y a un passage d'étape, et là, ça va être le bac, et il y aura quelque chose d'autre derrière et tout. Mais voilà. C'était ça. Et puis c'est aussi... pendant, après, j'ai plein d'explications. Non, parce que je sais que c'est une question... Non, mais parce que je sais que c'est une question qui revient aussi, la différence d'âge entre les deux, et qu'en fait, elle peut être interprétée... façon Gabriel Matzneff, alors que finalement pour moi c'était pas du tout l'intention, et qu'au contraire c'est un mec qui est perdu, et que du coup il est pas du tout dans un rapport d'emprise ou de domination par rapport à elle, au contraire
Il est dans un truc hyper fleur bleue de jeune adolescent. C'est un enfant, quoi. C'était plus ça l'idée, quoi. Ça se sent quand même, non? Oui. Ça me rassure. Bonjour. Bonjour. Merci et bravo pour votre film. Merci. Alors, je ne sais pas si j'ai besoin d'être rassurée ou autre, mais je voulais savoir si vous pensez que ce mal-être est quelque chose d'inévitable pour un acteur ou une actrice. Je sais pas si c'est... En fait, là, typiquement, le fait qu'il soit acteur, c'était aussi pour moi une manière de... C'était une forme de métaphore de l'enfant star, qui est un peu une métaphore de l'enfance, où tout d'un coup, et surtout pour un enfant unique, où tu te retrouves mis au centre de quelque chose, et où tout d'un coup, il y a quelque chose de déceptif dans l'âge adulte derrière, parce que c'est comme si tu quittais tes jours de gloire de jeunesse, où tu étais le centre du monde, et que tu devais te confronter au monde adulte, et puis c'est un peu tout ce qu'on te balance quand t'es petit, de bah, ça, quand tu seras grand, tu verras, tu pourras le faire, ça, quand tu seras grand, tu pourras le faire, ça, ça, ça. Moi, j'ai tout essayé, je me suis couché tard, j'ai mangé ce que je voulais et tout, puis finalement, j'avais pas l'impression d'être adulte. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est cette espèce de vente qu'on te fait sur le monde adulte, qui peut être assez déceptive, et qu'en fait, plus que pour juste un acteur ou une actrice, je pense que pour tout le monde, enfin, après, moi, c'est ce que j'ai vu autour de moi, je sais pas si c'est vrai pour tout le monde. Il y a cette espèce de vertige où aujourd'hui on a tellement de choix, tellement de possibilités, on a Instagram, on a des fenêtres ouvertes sur la vie de tout le monde et on peut comparer à tout. Tout d'un coup ça devient hyper vertigineux en fait. Et on a un océan de choix en fait à se dire il faut absolument que je réussisse ma vie. En plus on est dans une espèce de période d'efficacité totale où il faut absolument réussir jeune sinon on est passé de mode, sinon on est nul, sinon on est dépassé. Et tout d'un coup on laisse plus le temps au temps, c'est l'expression de tonton. Et donc c'est pour moi c'est acteur, actrice, mais n'importe qui en fait. Moi je vois plein de gens autour de moi même qui ont fait des études et qui se retrouvent tout d'un coup à s'interroger sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'être, qu'est-ce que j'aurais envie de faire, qui est la personne que j'ai envie de devenir. Et je pense qu'elle est plus générale, enfin elle est plus globale en fait que même, enfin là en l'occurrence c'est l'exemple de l'acteur parce que voilà c'était que d'un coup il y a un truc marqué déceptif, c'est que on a toujours peur d'être déçu parce qu'on s'était promis quand on était jeune, en fait. J'ai l'impression quand on devient adulte d'essayer de revenir à l'enfance à chaque fois et de se dire qu'est-ce que je voulais être quand j'étais jeune et d'essayer de ne jamais trahir ça. Et je trouve que c'est la complexité. Et là, typiquement, c'est un personnage qui ce n'est que de la déception, en fait. C'est ça qui est dur à accepter. Vous pouvez nous parler en quelques mots. On a beaucoup parlé de Vincent, d'Adrien. Vous pouvez nous parler de moi. Oui. Et vous parlez bien de vous, si je peux me permettre. Parce que là, depuis 20 minutes, voire une demi-heure, on parlait de vous, mine de rien. Non, parlez-vous des parents d'Emmanuel De Vos et de Christophe Lambert. De mes parents ou des parents dans le film? Des parents de Vincent. Les parents, bah, moi, ça a été un bonheur, parce que forcément, quand on fait un premier film, c'est nourri aussi de plein de films qu'on a vus. Et c'est vrai que Emmanuel De Vos comme Christophe Lambert, dans deux styles de cinéma assez différents, sont deux acteurs que j'ai découvert jeune et que j'ai adoré, dont j'étais fan. Et puis moi, je dois avoir un côté un petit peu groupie, peut-être avec les. Enfin, j'aime beaucoup les acteurs et les comédiens, j'adore ça. Et c'est vrai qu'au moment où on a fini l'écriture du scénario, j'arrête pas de remontrer l'affiche, à chaque fois ça n'a aucun sens, hein. C'est pas qui fait de la vente. Sur cette affiche, vous voyez donc Emmanuel De Vos, Christophe Lambert, Noé Habitat. Il n'y a pas Vincent Lacoste. C'est dommage, on aurait pu voir, oui. Vous auriez pu penser à mettre Vincent Lacoste un petit peu. Ouais, c'est quand même, on le voit peu dans le film en même temps. Mais et c'est vrai que du coup, à la fin du scénario, on a envoyé le scénario à Emmanuel. Moi, j'étais persuadé qu'elle allait dire non, poliment, parce qu'on passait par son agent, mais qu'elle allait quand même dire non. Et elle a dit oui. Je me voilà bien emmerdé à me dire, merde, putain, c'est vrai, en fait, ça devient concret, je vais me retrouver avec Emmanuel De Vos, qui joue le rôle de la mère, c'est fou. Et en fait, c'était assez... C'était génial, en fait. Le premier jour de tournage avec elle, quand on te retrouve derrière le combo avec avec l'écran de retour, était comme ça, et tu vois Emmanuel De Vos dans le plan, tu te dis « Wow, sur quel film je suis ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et c'était formidable de travailler avec elle, parce que d'un coup, tu te retrouves avec quelqu'un où je sais pas, tu as eu une image d'elle pendant des années à travers les films, et d'un coup, tu peux la transformer, la modeler, et en plus, elle a joué le jeu, on s'est bien amusé avec... ce rôle de mère psy un peu déluré, décalé. Un peu intrusive. Un peu complètement intrusive, complètement une
mère dragon, mais à la fois aimante et touchante, et du coup c'était formidable. Christophe, pareil, c'était le moi je l'ai découvert dans Gresto quand j'étais jeune, et puis je me suis retrouvé au café face à lui, et d'un coup j'avais signé, j'avais Christophe Lambert face à moi, c'était fou. Et qui disait oui au film, et d'un coup, moi, cette alliance, en fait, d'imaginer qu'Emmanuel Devos et Christophe Lambert un enfant qui ressemble à Vincent, je trouvais ça formidable, en fait. Je trouvais que ça marchait très bien. Et c'est vrai que, en plus de ça, Christophe, il y a quelque chose qui était hyper important pour moi dans le film, tout d'un coup, dans cette image de père, de cette espèce de fantôme dépressif qui erre dans l'appartement comme dans une espèce de prison, c'est que, inévitablement, qu'on le veuille ou non, alors après, il y a peut-être des gens qui ne le connaissent plus aujourd'hui, mais on imprime sur lui l'image de Highlander, du mec qui s'est barré aux États-Unis, qui a fait des films d'action. Il y a un côté aventurier, en fait. Et du coup, je trouve que de le voir en jogging basket, peignoir, tout d'un coup, moi, immédiatement, la première image qui me revient, c'est lui en moule bite, accroché à des lianes dans le Vestog. Et je me dis, waouh, il est enfermé maintenant. Et c'était espèce d'idée de masculinité, de virilité déchue, en fait, d'un coup de la surpuissance, du mal alpha, et d'un espèce de miroir brisé dans lequel Adrien ne pouvait pas se retrouver, et que c'était aussi toute l'interrogation du film pour le personnage, de se dire qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est devenir un homme, et quels sont les exemples, en fait, finalement, je ne me retrouve pas dans les exemples de masculinité et de virilité qu'on me propose, et quel est mon chemin que je me trouve par rapport à ça. Et je pense que c'est une interrogation plus générale pour pas mal de mecs aujourd'hui, enfin j'espère. La dernière question, elle est indiscrète. Donc vous n'êtes pas obligé d'y répondre. J'ai cherché longtemps. Est-ce que vous avez l'amitié, c'est une blague, est-ce que vous avez l'amitié tactile avec Vincent? Il serait là, je le montrerais. Hein, ouais. Très tactile. Elle est super chouette, cette scène. Et ça parle, ça éclaire tout ce qu'on venait de dire sur la virilité. Et les conséquences qu'on connaît. Merci Antoine pour ce film. Merci beaucoup. Évidemment. Merci beaucoup. Il sort le 25 février. N'hésitez pas à parler de beaucoup d'un petit film, on a besoin de soutien. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Mesdames, messieurs, c'était Antoine Debary. Merci. Le jour de gloire d'Antoine débute le 26 février au cinéma.